Une recette quotidienne tout en légèreté, voici des pavés de cendre accompagnés d'une fricassée de petits pois et de fèves au lard. Pour cette recette, on va avoir besoin de tomates. Tout d'abord, on enlève le pétoncule. Et à l'aide d'un pelle tomate, on enlève la peau. Vous pouvez très bien les monder dans de l'eau chaude pendant 10 secondes. La peau s'enlève ensuite toute seule. Et on enlève les pépins. Ensuite, on les coupe en petits dés. Ensuite, on épluche l'oignon en faisant bien attention de conserver la racine, car elle maintient toutes les feuilles entre elles et c'est ensuite plus facile pour le découper. Une fois épluché, on le coupe en deux. On l'incise sur la longueur, puis dans la largeur. Et on le recoupe en petits dés. Enfin, le lard, on va le couper en lardons. Dans une poêle bien chaude, on fait revenir les lardons. Une fois que les lardons sont bien dorés, on ajoute les oignons. On laisse cuire 1 à 2 minutes. Ensuite, on ajoute les tomates, un petit peu de thym frais, on assaisonne avec un petit peu de sel, pas trop parce que les lardons sont déjà bien salés, on mélange à nouveau, on baisse le feu et on laisse cuire 3 petites minutes. Pour terminer, on ajoute les petits pois et les fèves. On assaisonne de sel fin, de poivre et on ajoute l'équivalent d'un verre d'eau. On laisse cuire cette préparation à feu vif jusqu'à complète absorption du liquide. Pendant ce temps-là, on va faire dorer nos pavés de cendre à la poêle. Un filet d'huile d'olive et on dispose les pavés de cendre côté peau dans la poêle. On les assaisonne de sel fin et de piment d'Espelette. On les laisse dorer 1 à 2 minutes. On les retourne et on les saisit encore 1 minute, puis on finit la cuisson au four. On dresse alors la fricassée dans une assiette plate. On pose dessus un pavé de cendre. On ajoute un filet d'huile d'olive et on décore d'une feuille de persil. Si vous utilisez des petits pois ou des fèves fraîches, pensez à continuer la cuisson pendant 20 minutes.